Bonjour YouTube et bienvenue dans ce sixième épisode de Monster Hunter World. Nous voilà de retour pour suivre les aventures de Kid et de Michel. Michel qui est là vraiment toujours aussi fidèle. Alors, on s'est arrêté au camp et fallait lui parler à elle. En cas de doute, il faut que tu goûtes. Ouais, t'as raison. On peut prendre des récompenses. D'accord. Ok. Tout à fait, d'accord. Ah, c'est bien. Voilà, contour de quête. Voilà, on va prendre une nouvelle quête. Et un contrat. Et on a, voilà, faut le faire une troisième fois, ça. Vas-y, c'est parti, Michel. Hop. Vas-y, on est parti. Ah, le chargement de l'enfer, voilà. On est parti. Ah, c'est beau. Hein. Y a pas un putain de bordel dans le coin là. Et il y a une empreinte. Attends, je vérifie que tout est bon parce que. C'est jamais que ce dimula. Oui, oui, variable, on est bon. Bon. Où les lucioles de leur mort là. Voilà. Voilà. Jamais là quand. Ah bah le voilà le Michel. C'est toi qu'on veut. On a changé les armes ce coup-ci là. Ah, elle fait beaucoup plus mal. Et moi, il tourne particulièrement mal le jeu alors que j'ai rien changé. Bâtard. Ah le bâtard, putain. On peut même pas se soigner tranquillement, le petit PD. Hein. Allez Michel, retiens-le. Putain de saloperie de ta race, toi. Il est passé où ce bâtard? Il s'est barré là, hein. Ah,
Oh putain, Michel, casse-toi et bois un truc, hein. N'attaque pas un monstre quand ta vie est au plus bas. Soigne-toi d'abord. Voilà. Il est parti par là. Ah, il est là. Le voilà. Il était sympa, il est pas parti loin. Ces dagues-là sont vraiment beaucoup mieux que les autres. Que j'apprenne à me servir aussi des capsules. On va retourner à Astera. Parce que là, normalement, on doit débloquer de nouveaux trucs, j'imagine. Calite, ok, très bien. Et os ancien. Ah. Mais non. J'ai eu peur. Comment cette plage va être vraiment pétée de thunes, la Michel, hein. Alors, requête complétée, mise. Alors, on va aller voir la requête. Tac, tac. Fantastique. Eh ben. Eh ben voilà. Trois monstres spécifiques. Parfait. Il nous reste que ces deux-là, là. Ramasser de la merde. Et capturer un monstre. Alors, ça, Michel. Ok, ensuite il y aura ces deux-là à faire. Et capturer un monstre. Mais j'ai pas appris encore à capturer un monstre, donc et dans les contrats. Oulala. Ah oui, d'accord. Oh putain, ça a l'air bien ça. Tuer 20 Vespoïdes. Ok. Et là, il faut tuer aussi 20 Vespoïdes. D'accord. J'ai celui-là en cours, on va tous les prendre en fait. Voilà. Livraison. Bon bah écoute, voilà.
Est-ce qu'on fait ça maintenant ou est-ce qu'on va parler au commandant? On va aller parler au commandant, voir ce qu'il a à dire. Ah, un mec avec un point d'exclamation. La chasse se passe bien? Ouais, tout va bien. Si jamais t'as des soucis sur le terrain, n'hésite pas à utiliser une fusée de détresse, on s'en branle. D'autres membres, d'accord, n'hésite pas à tout le monde. Donc ça c'est pour le multijoueur. Très bien. C'était passionnant, Michel. Félicitations. Nous sommes fin prêts. La chasse au putti-putti est maintenant ouverte. Une fois que tu l'auras chassé, les érudits pourront se pencher sur ce que vous avez trouvé dans la forêt. Nous devons impérativement neutraliser ce putti-putti. Nos recherches sur le Zora Magdaro sans dépensement. En avant ! Il y a une mission urgente pour la cinquième. Viens vite me voir. Salut. Ok, le chef d'équipe se barre. Donc là, c'est là, on peut considérer que c'est la fin du tuto. Très bien. Non, c'est pas arrivé. Te voilà. Alors, il est temps pour nous de partir à la chasse au putti-putti. Une fois qu'on en aura fini, les érudits pourront... Entre nous, de quel autre monstre pourrait venir cette roche volcanique brûlante? Sans être une érudite, ça me paraît évident. Ok, donc on a ça pour gagner un niveau. Est-ce qu'on se le fera? Ah oui, le putti-putti, d'accord, c'est le machin de ouf là qu'on avait vu devant là, oui, oui. En libre, on a ça, on a tout fait. On a ça, là. On se le fera après, tout ça, on va déjà... On va faire ça. Hop. Et c'est parti, mon kiki. C'est un herbivore, on a plus de chances de croire si on s'enfonce dans la forêt, c'est son terrain de chasse. Donne-moi ça. Ok, donc il y a des remèdes contre le poison, mais j'en ai. Hein. Ok, eh ben on est parti, Michel. Enfonçons-nous dans la forêt. Passe hein, le délire de ce truc là, mais mettons bon bah écoute, allons par là, je sais pas par où. Plan de grimpante. Ouais, problème de ténacité, on peut pas l'avoir, on s'en branle. Ok, donc là on arrive par au dessus. Hop là. Enfonçons-nous dans la forêt. On a vraiment aucun indice. Qu'est-ce qu'il va m'en trouver là? Les trucs là-haut, hein, mais c'est de la merde encore. Voilà, on peut pas monter là. Voilà.
Ah, on peut monter par là. Allons-y. On le verrait pas, notre Michel, sur la carte, là. On est là. On va essayer d'aller par là, je sais pas. Vas-y, on va essayer d'aller par là. Voir si on peut trouver ce Michel là. J'ai peut-être raté un truc au début, je sais pas. Oh là là. Ah. On va suivre ces traces là. On sait pas sur quoi on va tomber. Du minerai. Vraiment. Ah ben voilà, c'est les capsules comme ça. C'était bonne de toute façon. Bon. Alors. Ah, c'est ni l'un ni l'autre qui m'intéresse, donc je m'en fous. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Il est là. Ah, le FDP, putain. Ah, il est monté. En suivant le par là. Mais en bas, quoi. Il a l'air de s'être reposé là-bas. Ah Dieu, il est aux prises avec l'autre bâtard, putain, oh là là. Ah Michel, trouve un truc pour te cacher là, t'es dans la merde. Voilà, cache-toi. Attends. Et l'autre il fait le con. Allez, nous, ce qu'on veut, c'est l'autre bâtard qui s'est évidemment barré. Ah là là. Ah, ça se bouffait les rognons, Michel. Attention, le poison te fait perdre de la vie petit à petit. Utilise un antidote dès que possible. Voilà. Ah, il est passé par où ce bâtard? Il est là-bas. Hein. Merde. Il va vraiment me faire tourner en bourrique, cet enfoiré. Ah,
Ah bah et où? Je veux rien savoir. Ah mais il est retourné là, le bâtard. Ah, cassez-vous. Ah l'autre il est retourné là-bas, mais comment ça se fait? C'est moi qui l'avais pas vu, qui était... Oh là là, je suis pas arrivé, ou je suis endormi, je sais pas ce qu'il y a, mais... Je vais avoir besoin de... Voilà. Ah, c'est ça qu'on veut, putain de tara. Ça tue, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je me taille, Michel, je vais rien avoir à faire avec toi. Pour le moment, Ok, l'autre il est là. Putain, le FDP de ses morts. Ah, faut que je passe devant, j'ai pas le choix. Faut l'affronter ceci. Je pense pas être à la hauteur. On taille Michel. Ouais, c'est barré. Alors l'autre FDP il est où?
te plaît, merci. Je vais récupérer les parties détruites là. Récupérer ta queue. On a réussi à lui couper. Déguisoir, voilà. Allez, roule. Trouve-moi ce Michel-là, voilà. Il va falloir que tu fasses de la bouffe. Allez, dépêche-toi, voilà, on a récupéré de l'endurance. Allez, il est où ? Il est là-haut. Ah, le FDP, ce FDP, bordel. Putain, il est pas sérieux ce Michel là. Il nous en aura vraiment fait chier lui hein. Mais c'est stylé hein, franchement faut dire stylé hein. Il est là. Ah, il y a lui à côté mais lui on s'en bat les burnes.
ben alors. On va envoyer quelqu'un pour examiner ce rocher. On en saura plus sur le Zora Macaros. Eh ben, ça n'a pas été simple, hein. Il y a l'autre FDP qui arrive. Il est dans le fond là-bas, on le voit. Ce gros bâtard. Mais j'arrive bientôt pour toi, Michel. Hein. Ne t'inquiète pas. Je prends tout. Hein. On a gagné un rang de chasseur. Quête arène. Félicitations. Un beau travail, merci de t'être chargé de ce poutier. Je savais que je pouvais compter sur toi. Entre temps, d'autres traces provenant sûrement de Zora Magdaros ont été découvertes. Afin que nos érudits puissent mener leurs investigations, j'aimerais que la 5e flotte assure leur protection. Je te confie la responsabilité du désert des Termites. La quête débutera une fois que tu seras sur place. Donc, bon, manifestement. Il est temps d'en apprendre plus sur le Zora Magdaros. Assure-toi de savoir ce que tu as à faire. On a ordre de protéger les érudits. On se retrouve au désert des termites. Ok, donc on a sûrement une nouvelle zone, mais nous, avant d'aller dans la nouvelle zone, on veut finir ce qu'on a fait là. Hein. On irait bien faire un petit tour à la forge. Alors. Ah, il y a des contrats là aussi, d'accord. Donc le désert des termites. On ira voir ça après. D'accord, c'est la chasse au poutier. Du coup, on a des contrats là. Je pense qu'on va enchaîner ça là. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va faire tous ces trucs là au moins une fois. Quête capture, mais je veux comprendre comment on capture. Je vais essayer de me renseigner entre deux vidéos. Événement, il y aura ça à faire quand on sera niveau 4. Très bien. Et on libre à tout fait. Donc il y a juste des contrats là. Et une quête d'arène aussi. Mais sûrement commencer par celle-là. Bon. On peut aussi aller en faire des quêtes en ligne pour les mecs qui ont déjà fait, qui n'ont pas fait des quêtes que nous avons fait. Ah, ça m'a l'air assez simple. Il y a une quête là. Non, c'est en dessous, d'accord. Oui, ben, l'occasion se présente, du coup c'est ce qu'on va faire. Alors, on peut faire du Kuluya. Oh là. Ouais, non, ça me branche pas. On peut faire ça, hein. Les bottes d'Ajo. On n'a pas assez de machin. Par contre, on a assez pour faire ça, là. En comparant à la nôtre. Ah, il gagne une endurance beaucoup plus vite.
Alors que moi j'ai machine de guerre, donc j'ai attaque plus 3, vie plus 15, étourdissement plus 10, augmente la durée des mélodies et la récupération de vie, et augmente les chances que le cadavre ne disparaisse pas. Ok, et donc si je prenais ce haut-là, je troquerais des points d'attaque contre ATT plus souvent. Ouais, est-ce que je peux faire de nouvelles armes? Non. Non, je veux que tu... voir si on peut au moins les aider. Non. Voir pour les améliorer. Oui, on peut les améliorer. On peut augmenter celle-là aussi. Ah ouais. On va les monter à 154 avec une meilleure affinité. Sachant que là, je gagne aucune affinité. C'est sûrement celle-là la plus intéressante. Mais il me faut des écailles de Kulayaku. Qu'est-ce que c'est que ces Kulayaku? Je me souviens pas. Ça serait beaucoup mieux, oui, effectivement. Parce que là, en passant de là à là, là, il me manque quoi? Il me manque tout un tas de trucs. Il me manque plein de trucs. Du coup, je serais plus intéressé de passer par ça. Mais il manque deux écailles de Kulayaku. Oh là là. Oui, parce que ça, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, ça serait pas mal, Michel. Parce qu'on aurait meilleur tranchant des dégâts équivalents à ce qu'on a là. Bon, moins bon que si on prenait ça. Mais quand même meilleur. Mais surtout, on gagnerait 15% d'affinité. Ah, moi, ça m'intéresse. Et t'as quoi comme talent? Machine de guerre aussi. Hein. Ah. Alors faut que je parte à la chasse au Kulayaku. C'est quoi ça, rappelle-moi? Oh, ça en sort tout complet. C'est notre... Donc faut qu'on aille à la chasse au Kulayaku. Bon. C'est ça que je retiens. Est-ce que j'ai ce genre de merdier là dans mes... dans mes contrats là? Bon, au vif Kulayaku, Michel. Et ben alors... Voilà, donc c'est ça qu'on veut bourrer. Hein. Et ben on va faire ça, Michel. On arrive à 40 minutes, donc on va se réserver ça pour le prochain épisode. Mais on va totalement faire cette chose là. Hein. Ça me semble assez évident, totalement évident même. Et voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut YouTube.